إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه طيب Le sujet d'aujourd'hui, Al-Inhirafat al-Fikriya عند الشباب الملتزم. Al-Inhirafat, c'est-à-dire quelqu'un qui dévie. Il dévie de chemin. Inharafa, il a dévié. Mais il a dévié dans sa pensée, comment il pense, comment il parle. Mais cette déviation donc de cette personne, c'est un chab, c'est un jeune, mais qui est multazim. Multazim, c'est-à-dire, on dit pratiquant. Hein? Pratiquant. L'iltizam, c'est-à-dire qu'il est dans le bon chemin, et en plus, quand on dit qu'il est dans le bon chemin, c'est-à-dire qu'il est dans le bon ménage, et en plus, il pratique. Parce qu'il ne peut pas être dans le bon ménage, il ne pratique pas. Mais alors comment, c'est ce qu'on va voir maintenant, un jeune homme, Shabab, mais ça c'est simplement pas les Shabab, il y en a aussi les gens qui sont âgés aussi, ils ont le même problème, mais plus les jeunes. Comment un jeune qui est donc un pratiquant, il est dans le bon chemin, dans le bon ménage, mais il va dévier. Il va dévier avec son manhaj et ses pensées. ظاهرة الانحراف بعد أو في بعض الملتزمين لها أسباب ولها علاج. Et cette déviation, on le voit de plus en plus. Et on peut dire que ça va de plus en plus encore les jeunes. Vont plus dévier que ce qu'on voit maintenant. الملتزمين يتركون لالتزامهم بشكل مفاجئ أو على مراحل وهنا نعني بهذا المقال للملتزمين الذي لديهم في الأساس فكر إسلامي. On en parle ici de l'multazim, un jeune pratiquant, comme on dit, dans le bon ménage. Et ces gens-là, soit on les voit dévier d'un coup, il n'est plus pratiquant, ou il est rentré dans une secte, il n'est plus sur le bon ménage, soit tout doucement. Il dévie, mais tout doucement, même parfois on ne se rend pas compte que la personne commence à dévier dans le bon ménage sans qu'on on se rend compte, jusqu'il vient et il nous fait la surprise comme quoi il est dans un autre ménage. Ou même carrément, il n'est plus musulman, il n'est plus croyant. Ça arrive aussi. ناتج عن تربية إسلامية أو عن دراسة شرعية. Ce multazim, ce pratiquant, soit il a eu une éducation islamique, les parents, la mosquée, les associations comme ceci, et ainsi de suite. Ou dirasatin shar'iyya, ou alors lui-même il a fait une certaine étude. On va voir maintenant les raisons que ce jeune dévie de bon ménage. Al-bina al-aqadi. La grosse cause, c'est la construction de dogmes de l'aqida qui n'était pas bon au départ. On comprend maintenant, un jeune pratiquant, il dévie, il sort de bon ménage. La base de ça, ce n'est pas au milieu.
C'est pas parce qu'il a eu des fréquentations, il a changé de ville, non. C'est que l'erreur se trouve à la racine, au départ de l'éducation. ففي الحقيقة هذا هو السبب الأساسي. Et ça, c'est la cause majeure dans ce cas-là. وربما يكون الرئيس الذي سندور حوله بأشكال مختلفة وهذا البناء العقدي الخاطئ له عدة مسببات نذكر منها ما يلي. Cette construction dans le manhaj, parce que si on parle toujours de manhaj, on ne parle pas de fiqh. On est en divergent aujourd'hui, je prie, dans la prière je bouge le doigt, et demain je ne bouge pas le doigt, aujourd'hui je descends sur les genoux pour la prosternation, ce n'est pas ça qu'on parle. On parle dans le manhaj, dans l'aqida, dans l'asl, les racines. عدم الاختيار للدين والمعتقد. Première cause, c'est quoi? Et là, peut-être, on va se poser la question nous-mêmes. La première cause de ça, la construction, donc, l'erreur de la construction dans l'aqida, la première base, c'est quoi? C'est عدم الاختيار للدين والمعتقد. Il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi le din, il n'a pas choisi le dogme ni la religion. Vous pouvez voir que cette erreur-là, elle est fatale, on l'a tous. Rare que tu trouves quelqu'un, il a échappé, comme parent. Il n'y en a pas. Rare. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Adam l'ikhtiyar li din wal mu'taqad. فغالبا من ينشأ في أسرة مسلمة ومجتمع مسلم ليس لديه أي اختيار في كونه مسلما وفي الحقيقة هذه نعمة كبيرة يجب أن نحمد الله عليها ليل نهار لكن ما أعنيه هنا أننا نحتاج في البداية إلى تجارب عملية ينتج عنها ترسيخ المعتقد. Un jeune homme né dans une famille musulmane, ou alors dans une communauté musulmane, il vit dans une communauté musulmane, il est né d'une famille musulmane, comme la majorité qu'on a maintenant. Et ça, c'est une ni'ma, c'est un bienfait qu'Allah Azzawajal t'a donné, que tu es né dans une famille musulmane, que tu n'es pas né dans une autre famille mécréante. Aussi, c'est un bienfait qui te trouve dans une communauté musulmane. Ça, on doit remercier Allah Azza wa Jal. On ashkur Allah Azza wa Jal. Mais, on a besoin de cette éducation que le jeune homme il est né musulman, dans une famille musulmane, dans une communauté musulmane. On a besoin qu'on appelle ça l'expérience. Cet islam, ce n'est pas lui-même qui l'a choisi. Ce n'est pas lui qui a voulu cet islam. C'est un islam, un dogme qu'il a hérité par les parents ou par la société où il vit. Et c'est là l'erreur fatale. Maintenant, vous pouvez poser la question à vous-même, à nos enfants. Est-ce qu'ils ont choisi cet islam ou simplement parce qu'ils sont nés comme musulmans, que leurs parents ils l'ont éduqué comme musulman, comme un chrétien, comme un juif, comme un athée, et ainsi de suite. Et c'est là l'erreur. Et c'est là l'erreur fatale. Il n'y a pas d'expérience pour ça. Ce dogme, cette croyance, pour que tu ne sois pas dévié plus tard, tu dois la choisir toi-même. Tu dois la demander toi-même, pas qu'on te l'a donné, pas qu'on te l'a collé, pas qu'on te l'a imposé. Ben, c'est ce qu'on fait maintenant. Tous les parents ont fait la même erreur.
Il y a on s'étonne pourquoi nos enfants ils sont pas encore sont pas restés dans le bon chemin. Et ça c'est l'erreur fatale. Parce que la théorie, ils l'ont. Tu lui as dit, l'islam, il est bon, etc. Il y a un seul Dieu, etc., etc. Ça, c'est quoi, ça? C'est une théorie. Mais où est-ce qu'il est la pratique? Il doit pratiquer, il doit comprendre, lui. Pas parce que tu me l'as dit. Pas parce que je suis né dans une famille musulmane. لكن في الغالب لم نجتهد في التجربة العملية مع أن الله سبحانه وتعالى في خطابه لنا في القرآن دعانا كثيرا إلى البحث والتأمل فنجد كثيرا et ça nos enfants et peut-être certains de nous-mêmes il n'a jamais fait la pratique de ce dogme que toi-même tu as fait la pratique, pas la théorie. Dans ton dogme, dans ton manège, je l'ai reçu. Tu l'as fait en pratique? Tu as eu une pratique dans ce manège? Non. C'est ce qu'on a, nos enfants. Et pourtant, Allah Azza wa Jal, dans plusieurs versets du Coran, il nous demande, il nous ordonne que votre foi, vous devrez la faire en pratique. Acquérir votre foi, vous devrez la faire en pratique pour voir. C'est, il vous appartient, c'est vous-même qui le veut, ou simplement on vous l'a donné. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal ? قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Simple. Il dit Allah Azza wa Jal que celui qui est sur ce bas monde, il peut être fort, il peut être etc., etc. Il sera anéanté. Et tout d'un coup, Allah Azza wa Jal, c'est quoi ça? Ça, c'est la théorie. Il te le dit. Mais tout d'un coup, il te dit, non, t'arrêtes pas à ça. Je te l'ai dit, d'accord. Mais toi-même, va voir. Va regarder, tu vas voir ce que je te dis. Deux choses. Allah Azza wa Jal, il te dit, j'ai anéanti toutes les autres qui étaient donc des tyrans auparavant. Et toi, qui crois ce que je te dis, oui, Allah, malgré ça, il te dit, va voir. Tu vas le voir avec tes yeux. Va voir, tu vas voir les gens, Pharaon, etc., etc., Thamoud, comment ils étaient, leur pays, la reine Saba, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est cette force-là? Et c'est quand toi t'arrives et il te dit Allah Azza wa Jal que Pharaon il était fort, etc., etc., etc. J'y crois. Mais tout d'un coup, t'arrives et te regardes Pharaon, Ramsès, et devant toi dans une petite boîte, sec, avec un pot, avec des trucs là, comme ça. Et ça, c'est celui qui a dit, je suis votre Seigneur. Là, tu regardes ce qu'Allah Azza wa Jal a fait de lui. C'est ce qu'il t'a dit dans le Coran. La même chose, Allah Azza wa Jal nous dit أَفَلَمْ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. Allah Azza wa Jal, il te parle de sa capacité, de sa force. Et tout d'un coup, il te dit, ben regarde, toi-même, fais une expérience, regarde dans le ciel. Regarde ces étoiles, regarde ce ciel, regarde cette construction. C'est pas parce que mon père il m'a dit qu'Allah il a créé le ciel et qu'il est fort, un point c'est tout. Toi-même allez voir. Allah Azza wa Jal dit aussi dans les autres versets la même chose. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Pratique. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Pourquoi tu ne donnes pas un temps de regarder en toi-même, à ta création, comment tu fonctionnes, comment Allah Azza wa Jal t'a façonné, comment Allah Azza wa Jal qui t'a créé. J'ai les yeux, d'accord, je vois avec les yeux. Mais tu es resté un jour pour regarder les yeux, comment ça se fait que cette peau de viande te regarde?
Comment ça se fait que ces phrases que j'entends, ça rentre ici, ça vibre sur des petits poils, ça va vers le cerveau, ça me fait un mot, etc. Comment ça se fait si je ferme, je ne vois rien? Mais là, on pratique la force de Allah, Azzawajal. Allah, il est fort. Allah, il est omniscient. Allah, Azzawajal, il est capable de tout. Stop. Qui te l'a dit? Mon père. Je l'ai lu dans le Coran. Je l'ai lu dans la Sunna. Tu l'as lu simplement? Tu ne l'as pas vu? Tu ne l'as pas touché? Tu ne l'as pas entendu? Regarde en toi-même. Allah Azza wa Jal nous dit dans un autre verset كَذَلِكَ فَلَا يَنْدُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Allah est interpellé. Allah Azza wa Jal est le créateur, d'accord, tu l'as trouvé dans le Coran. Tes parents te l'ont dit. C'est Allah qui l'a créé tout. Mais il a créé quoi? Ah, il a créé tout. Là. Mais non, ce n'est pas ça simplement. Allez voir cette création. Malik ibn Dinar, quand il est arrivé à ce verset-là, « Afala yandurouna ila al-ibili kayfa khuliqat » avec les élèves, ils lisent le Coran. Il dit « Hayya bina nandur kayfa khuliqat al-ibil » Il a déposé le livre. Coran sur place. « Afala yandurouna ila al-ibili kayfa khuliqat » Il ne regarde pas, il n'étudie pas pour voir le chameau, comment il est fabriqué. Hein? Le navire de désert. Parce que nous, on appelle chameau. Mais si tu vas regarder ce chameau-là, comment il est façonné pour être une navette de désert, la construction de ses yeux pour le sable, le nez, etc., la bosse qu'il a sur le dos, l'eau qu'il a en réserve, les pattes, comment ils sont. « Afala yandurouna ila al-ibili kayfa khuliqat » Il te donne quelque chose qui est devant toi, dans ce temps-là. Regarde. Regarde la construction pour que toi-même, tu vas acquérir cette foi en Allah. Que toi-même, ce n'est pas mon père. À cause de mon père, il m'a dit qu'Allah, il est fort, il est capable. Khalas. Tu vas dévier plus tard. Le premier vent qui vient, il va te dévier. La première pensée qui vient, ils vont te dévier. La première idéologie dont la technologie et tout ça, rien que cette technologie ici, tu es ébloui. La technologie de maintenant. Ça a amené beaucoup de gens à croire qu'il n'y a pas de Dieu. Pourquoi ils te disent, regarde ça, regarde la caméra, regarde le truc qui parle, regarde le téléphone, tu fais allô, et le son il sort, il va le satellite, il ressort, il va juste, ce téléphone-là, il va... C'est immense. Lui, il regarde simplement ça, c'est une... Mais s'il regarde à cette personne qui a fabriqué ce téléphone, cette personne, ce savant qui a fabriqué cette caméra, cette personne qui a fait pour monter jusqu'à la lune, quelle fabrication? Quelle fabrication? Quel genre de cerveau il a là-dedans? Comment ça se fait que ce cerveau a une capacité? Ils disent ici, le truc de la mémoire, il n'est même pas plus grand qu'un centimètre. Tu sais combien de mégabytes il a? des milliers d'ordinateurs. Un centimètre. Ah, oh, j'ai une puce, elle prend beaucoup, elle prend fait, ben, elle a 30 gigabytes, 100 gigas, 500, 1000 gigas. Des milliards de renseignements sur un centimètre. Et ce n'est pas plein. S'il peut vivre 100 ans, il va encore en magasiner. Le double dans un centimètre, une mémoire. Après, il est ébloui parce que quelqu'un il a créé quelque chose, une voiture, un jouet. Regarde quand ils fabriquent maintenant la technologie qui sont plus avancées. Les Japonais, les Coréens, les robots. T'as vu le robot, ça? Il marche, hein? Ah, il parle, hein? Il voit, hein? Il marche comme ça, il monte dans l'escalier. Hein? Et alors, t'as vu comment il monte? Hein? T'avais pas vu, toi, comment tu montes dans l'escalier? T'as vu le robot? Mais regarde-toi, Badek. Monte-toi et le robot dans l'escalier, regarde comment ça fonctionne, comment ce robot, il fait. Mais t'as vu, le robot, il te parle. T'as pas vu comme toi, tu parles?
Et qui a fait ce robot, il marche et qui part? Ce n'est pas toi, de ce qu'Allah Azzawajal t'a créé. On ne met pas en pratique cette foi. On ne met pas en pratique ce dogme. Et pourtant, Allah Azzawajal nous interpelle, allez voir, regarde en toi-même, réfléchis en toi-même. Tu vas trouver le Dieu que tu adores, le Dieu à qui tu prosternes quand tu vas faire la prière. Pourquoi tu fais la prière là? Ah, mon père, elle m'a dit, tu ne pries pas, je te casse la tête. Non, ce n'est pas une prière, tu vas arrêter cette prière. Cette prière-là, c'est on te va tout pousser à cette prière-là. On me l'a dit, on me l'a obligé. Ah ouais, je suis un musulman quand même, je prie, non. Quand tu vas pour prier, pour te prosterner, tu as dans la tête cette grandeur de Allah Azzawajal, qui t'a vu, qui t'a touché en toi-même, dans sa création. Ça, c'est le dogme que tu as acquéré toi-même. Pourquoi tu pries? Parce que ton père aime... Non, je prie à celui qui m'a créé comme je vois. Je prie à cette grandeur qui a créé cet univers. Vous avez vu comment il a créé? Il l'a fabriqué. C'est pour ça que je dois me prostrer. Nous autres, quand quelqu'un il a fait quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? Chapeau. Je tire mon chapeau. Ah ben, tu tires ton chapeau, d'accord. Hein? Eh là, bravo! Pourquoi tu l'as fait? Ben, il a fait quelque chose de bien. Bravo! Je m'incline. Ah, ils le disent aussi, hein? Je m'incline. Qu'est-ce qu'il a fait pour t'incliner? Eh, t'as vu ça? J'embrasserai ses pieds. C'est lui qui t'a crié. Tu ne vas pas t'incliner là. Pourquoi tu t'inclines là? Mais c'est comme ça, la grandeur. Ça, c'est acquérir le dogme. Ça, c'est acquérir la foi. Maintenant, quand tu vas prier le marab et l'achèque, etc., tu le pries comment? Pourquoi? Je suis un musulman. Mes parents m'ont éduqué comme ça. Allah, il me l'a ordonné, c'est tout. Pour ça, tu n'auras pas le khushu' non plus. Tu n'as pas la concentration. Pourquoi? C'est mathématiquement je dois prier, khalas. Mais pour l'autre là, pourquoi tu t'es incliné à l'autre là? Pourquoi tu es allé avec bravo? Pourquoi tu as tiré ton chapeau? Ben, t'as vu ce qu'il a fait? Dans Surat al-Nahl, on ne va pas citer le Surat al-Nahl. Si on retourne simplement sur la Nahl, Allah Azza wa Jal, il nous a parlé des hasharat, des bestiaux là, c'est immense. Quand il nous parle des abeilles, vous savez qu'est-ce que ça veut dire une abeille? L'usine de lait, du miel. Et pourtant une abeille. C'est pour ça Allah Azza wa Jal nous interpelle. Dans ton dogme, dans ta croyance. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَسْتَطِعُونَ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَسْتَطِعُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Et pourtant, ils adorent, ils se prosternent. Il a peur des gens qui n'ont rien créé. Absolument rien. Même pas un grain de blé. Même pas un grain de blé que tu manges jour et nuit. Et pourtant, les gens les adorent, les applaudissent. Ils se prosternent pour ces gens-là. Bravo, la technologie. Vous êtes forts. Vous m'avez vraiment... Bravo. Allah Azza wa Jalla dit: "Wa ya'buduna min duni Allahi ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal-ardi shay'a." Cela ne peut rien vous donner. Et même s'ils essayent, ils n'y arriveront pas. Ça c'est le dogme. Ça c'est le jeûne qui est musulman, qui est pratiquant, qui est sur le bon ménage.
ففي هذه الآيات تدريب عملي على التفكير. Dans ces versets, on voit bien qu'Allah Azza wa Jal, il te dit, fais fonctionner ta cervelle. Réfléchis, pense, cherche, comprendre. Tu dois comprendre ta religion. Tu dois la comprendre, tu dois l'avoir en toi-même, c'est toi-même. C'est pas les parents, c'est pas un héritage. C'est pas des coutumes, des adat, non. C'est quelque chose qui te doit l'arracher, la chercher pour toi-même. Ça, oui. Ça, c'est la bonne et que personne ne va te faire dévier. فَفِي هَذِي الْآيَاتِ تَدْرِبْ عَامَلِي عَلَى التَّفْكِيرِ فِي الْوَصُولِ إِلَى اللَّهِ. Pourquoi Allah Azza wa Jal nous a donné ces exemples et qu'il y en a dans le Coran et dans la Sunna? Pourquoi أَفَلَا يَنْدُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ أَفَلَا يَنْدُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ أَفَلَا يَنْدُرُونَ. Pourquoi? Il veut que toi tu arrives à Allah. Pas mon père, il m'a poussé. Non, toi, en regardant ces choses-là en toi, dans le, tu dois arriver à Allah Azza wa Jal. Tu dois trouver Allah Azza wa Jal toi-même. Pas parce qu'on me l'a dit. في الوقت الذي alors ici Allah Azza wa Jal وفي القرآن الكثير من هذه من هذا الأسلوب فلو أننا اتبعنا هذا الأسلوب في بناء العقيدة لترسخت لدينا بشكل أكبر وأعمق مما عليه. Si on avait suivi ces recommandations de Allah Azza wa Jal pour arriver à ce dogme, à cette foi, hein, de trouver Allah Azza wa Jal toi-même, tout seul, on aurait échappé à beaucoup de gens qui sont déviés, wal'iyadu billah, même devenir mécréants par après. Imagine quelqu'un qui était musulman, qui prie, il vient te dire « je suis mécréant ». Ça n'existe pas. Un musulman, sans le bon ménage, dévie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il change d'autre religion. Ça n'existe pas. Une fois que tu as acquis cette connaissance de dogme, que tu as trouvé Allah Azza wa Jal toi-même, tu ne sais pas changer. Il n'y a personne qui peut te dévier. Si tu as dévié, c'est parce que ce que tu as vu auparavant, simplement, c'était un héritage. Tu as imité les gens, c'est tout. Vous avez vu les petits-enfants quand ils voient les parents prier? Et ils font aussi. Ils font, mais demain, parfois, ils prolongent avec toi, lui aussi. Et tu bouges les lèvres, il fait lui aussi. Il imite. Il n'a pas acquéri. C'est des singeries, c'est tout. في الوقت الذي نكتفي بتحفيظ القرآن دون فهم. On fait apprendre nos enfants le Coran. وعمل المسابقات الدولية والمحلية في حفظه. لا في القضايا العقيدة العلمية التي يتناولها. On est arrivé maintenant, actuellement, vous savez qu'est-ce qu'il y a? Des concours. De tertir le Coran, de tajwid le Coran, de hifz le Coran. On te sort des milliers. La Malaisie te sort des milliers de jeunes de 7, 8 ans hufaz le Coran. Ils font chaque année des concours, des belles voix, des femmes, des jeunes, des garçons, des grands, etc. D'ailleurs, il est mort le Malaisien, là, le. Celui qui a récité le Coran. Bon, il est mort en plein récitation. T'avais vu où il est mort? Sur quel verset? C'est la mort. Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum. Khalaqa al-hayata wal-mawta. Il a créé la vie, la mort. Pour vous éprouver. Quand il est passé à l'autre verset, il est mort. C'est fini. Il est parti.
Pourtant, il était normal, en bonne santé. Et on apprend aux enfants de 7-8 ans, Mashallah, il connaît le Coran par cœur. Le Ramadan, il arrive. Oh, les mosquées sont comme ça. À présenter des jeunes de 13-14 ans faire le Tarawih, une belle voix, Mashallah. Des concours de le Coran. Mais faire une pratique de ce Coran, de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le Coran, que ce jeune homme de 7 ans qu'il a appris le Coran par cœur, qu'il le récite magnifiquement, qu'il le tertile magnifiquement, mais le doigt sera inversé. C'est qui ce verset-là? Je sais pas. Vous avez vu qu'est-ce qu'on a fait? Mon fils, il a pris le Coran, il en avait 7 ans. Ils disent, hein, parle pas de mon fils, les gens. Après mon fils, il est devenu chiite. Mon fils, il est devenu soufi. Mon fils, il est devenu soufi. Mon fils, il ne prie plus. Il a pris le Coran. Et oui, parce qu'il n'y avait pas eu de pratique. Il y a l'héritage. C'est tout. C'est ce qu'on lui a appris. عن عبد الله قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويرب فيها الصغير الله سعودي دي comment vous allez vous comporter le jour qu'il y a une fitna, une shubha? Les grands, ils seront perturbés par cette shubha. Les jeunes, ils seront perturbés. Et les jeunes, peut-être devenir mécréants à cause de cette chouba. Une fitna. Al-Mus'ud était à une fitna. Une idée. Une idéologie. Il vient se propager dans votre quartier, à la télévision, dans votre communauté. Les grandes personnes qui ont adoré Allah, ils sont carrément abasourdis. Ils sont là comme ça. Et les jeunes sortent carrément de l'islam à cause de ça. إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. Dans cette fitna, si quelqu'un n'adhère pas à cette bid'a, cette hérésie, cette fitna, il dit ah, il ne suit pas la sunna, le contraire. Et si tu fais la sunna, il te dit ah, ils font le bid'a. À l'envers. قالوا وما تذاك on lui a dit quand ça va se passer ça. قال إذا ذهب أو ذهبت علماءكم ce qu'on vous savons commence à partir. C'est ce qu'on voit maintenant. وكثرت جهلاءكم vos ignorants sont comme ça partout, la télévision, les duats pleins. Comme ça bouge. Vous avez vu? Tape à l'internet, rentre à Google, ah, des milliers de doigts. Faux, faux. Un dans mille, ça c'est le. Et c'est là que la communauté musulmane tire sa connaissance, son dogme, de Google, cher Google. La télévision, Haddith wa la Haraj, je ne vais pas citer les noms. Vous les connaissez? On les a cités plusieurs fois. Quand les gens ils arrivent, ils te disent, pas les gens. La mosquée Al-Khalil, ici. La mosquée Al-Khalil, c'est une grande mosquée quand même, non? Il y a des chouïrs là. Ils ont invité qui? Adnan Ibrahim. Adnan Ibrahim. Ça vous donne peur. Ça vous donne des frissons. De voir une mosquée de telle grandeur dans la société musulmane. Inviter un fasiq, un faux, un fasiq, Obama Zandir, il vient à la mosquée. Et la mosquée de la Sunna.
rien à trouver, d'inviter cette personne-là. Celui qui a dénigré les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a dénigré Abdullah ibn Omar. Celui qui a dénigré Aïcha radiyallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, wa kanat mutarajjila. Il dit ça de Aïcha radiyallahu anha. Quand ils l'ont appelé, non, c'est pas ça que je voulais dire, vous de comprendre, parce qu'on dit, même là on trouve dans les livres, ils ont dit, non, non, dans les livres, il dit, kanat rajula. Sauf, t'as vu le mot? Mutarajjila, rajula. Il dit, regarde, le savant ancien, il dit, Aïcha kanat rajula. Oui, kanat rajula. Et toi, t'as dit kanat rajula ou t'as dit kanat mutarajjila? Kanat rajula, c'est-à-dire, il se comporte comme un homme, il est fort, on te dit. Une femme comme un homme, les ballons d'un homme. Mutarajjila, il imite l'homme. Il a dévié du sexe. Il imite l'homme. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, na'ala Allahu al-mutarajjilat. Sont maudits les femmes qui font comme l'homme. Il l'a maudit, mais ils ne font pas attention. Kanat mutarajjila. Il le dit, il l'explique. Il montait le cheval, il parlait comme... Et c'est l'homme ça que tu dis d'entre nous. Et pourtant on l'invite. Tu sais combien t'en as deux comme ça? Sur la télévision? Comment tu veux que ces enfants, maintenant si tu les éduques, pas maintenant, qui doivent acquérir cette pratique de dogme de la foi, comment vous voulez-vous qu'ils échappent à ce genre de gens? Quand on trouve des grands qui sont sortis des universités, etc., ils avaient une connaissance de l'islam, ils sont quand même déviés. وَكَثُرَتْ جُهَلَاءُكُمْ وَكَثُرَتْ قُرَّاءُكُمْ وَقَلَّتْ فُقَهَاءُكُمْ وَكَثُرَتْ قُرَّاءُكُمْ وَقَلَّتْ فُقَهَاءُكُمْ. Comment il le dit le compagnon, il y a là 1500 ans, il viendrait à maman. Vous allez avoir des problèmes avec toutes ces ambiguïtés, ces choubouettes. Quand vous allez voir beaucoup de gens qui connaissent le Coran par cœur, des milliers d'enfants. Au Maroc, il te sort des milliers d'enfants. Le monde entier, l'Arabie Saoudite, partout. Hufad al-Qur'an, il dit « Wa kathura qurra'ukum » Vous aurez beaucoup de gens qui récitent le Coran. Vous avez vu les enfants comment ils s'amusent avec le Coran? Des spécialistes. La page telle, le verset, le numéro. La page telle, le verset, le numéro. Hassou. C'est ça le Coran? أفلا يتدبرون القرآن؟ Qui est en train de m'apprendre dans le Coran le numéro 9? La page, quelle page? Dis-nous la page. La page 167. Taïm 66, alors qu'est-ce que je vais avoir? Il est 67 ou la 68? Si je rajoute une feuille ici, ça va être 67? De quel Coran tu parles? Pourquoi je vais apprendre ce numéro-là? Pour quelle raison je vais apprendre par cœur ce numéro-là? Je reste simplement sur le verset de comprendre ce qu'il me dit. Non, on s'amuse avec le Coran à connaître les pages, à connaître les numéros, à connaître les commencements des versets. Et te prends le même, tu lui dis, explique-moi ce verset. Ah oui, on s'amuse. Et après, mon fils, il est dévié. Il était un bon pratiquant. Il était multazim. Il a laissé la barbe et tout. Mais il a rasé sa barbe. Ma fille, il a enlevé le foulard. Il a enlevé le grand foulard. Il a fait le petit foulard. Et ainsi de suite, il va en arrière. Pour quelle raison ça? Wa kathura qurra'ukum wa qalla fuqaha'ukum. Ça, c'est dans le temps. Wa al-hadith sahha au Sheikh al-Albani, rahimahullah. وهو في كتاب قيام رمضان الأسلوب التربوي الخاطئ في البيت والمدرسة وحتى في المراكز المتخصصة في تعليم العلوم الشرعية La façon
d'éduquer les enfants dans les écoles, dans les mosquées, dans les centres comme ça, il n'est pas la bonne. Il n'y a pas cette éducation. Nous autres, dans nos maisons, l'éducation de nos enfants, c'est comment? T'as prié? Prie ou alors je vais te faire une punition. Tu viens avec moi à la mosquée. Je vais avec toi, oui, là. Chaque fois, tu dois altérer. Oui, quand elle est petite. 4, 5, 6 ans, 7 ans. 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est quoi ça? Parce qu'on ne fait pas ce genre d'éducation. De discuter. De lui faire que lui-même, il comprend d'acquérir cette religion. Mais comment tu veux dire? Faq et de Cheikh Lahyarti. C'est le père lui-même, il ne l'a pas. Comment tu veux qu'il va le donner à son fils? Son fils, il ramène une choube à une ambiguïté de dehors. Il l'a vu sur l'internet. Il l'entendait de tel savant sur la télévision. Une choube immense. Il vient vers toi te poser la question. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu recommences et va voir. Il l'a, cette chouba dans son cœur. Il ne te le dira plus. Il les emmagasine dans sa tête. Jusqu'il va exploser comme une cocotte minute. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas lui parler de ce chouba. Pose la question à ton fils. Le Coran ici. Makhlouq ou kalam Allah? Est-ce que la parole d'Allah Azza wa Jal, il a été créé ou c'est sa parole? Ah, il te dit non. C'est la parole d'Allah. Il n'a pas été créé la parole d'Allah Azza wa Jal. Quel dalil? Je ne sais pas de dalil. J'ai entendu dire ça. Alors, si tu trouves quelqu'un de l'autre côté, tu vas le rencontrer, il va te dire que ce n'est pas la parole d'Allah. Et que lui, il t'a posé la question. Oh mon père, pourquoi on dit? Ces kalams-là n'ont pas été créés. Tu n'as pas de réponse. Al-harb al-dharus wal-manhajiyya ala al-mu'taqadat al-sahiha. Et en plus, il y a une guerre de toutes les autres. Ils attaquent al-manhaj al-sahih. Le manhaj sahih, le bon manhaj, tout le monde l'attaque. Pourquoi? C'est normal. C'est pour dévier les gens. On ne va pas attaquer quelqu'un qui est déjà dévié. Iblis, il va aller où? Au café ou à la mosquée? Il va à la mosquée, qu'est-ce qu'il va faire dans le café? C'est les siens, hein, du coup. C'est ses copains. Qu'est-ce qu'il va faire dans la mosquée? Il va jouer avec la carte ou quoi? Non. Non, il va à la mosquée. C'est là qu'il a besoin de travailler pour amener cela à l'autre côté, au café. Il va pas au café, il va pas quand même les ramener pour amener à la mosquée, ça va pas, ils sont déjà dans le café. Ils te disent un voleur quand il veut attaquer, il est à la maison d'un pauvre. Même pas une porte. Et t'as un, il a la maison, mais moyen avec la porte, mais. Et t'as la maison du roi, laquelle qui va attaquer? Le voleur. Moyen. La moyen. C'est tout à fait normal, il va attaquer la moyen. L'autre là, le pauvre là, eh bien, il est vide, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il va aller voler là? Et celle de roi, pourquoi? là, tu vas avoir des problèmes. Il ne va pas attaquer la haine. Il ne va pas attaquer celui-là qui il est dans la musique, la danse. C'est fini, il n'a rien à voler. Mais l'autre, là, le haine, là, il a les gardiens. Mais le moyen, non. Juste le milieu. Il y en a plein comme ça dans la mosquée. C'est facile pour lui. Alors on attaque qui? On attaque les ulama? Non. Le contraire.
il se sauve. Quand un est dans ces égarés là qui font le tri, là, quand il y a un grand savant, il ne parle pas. Il va même partir. Je le vois moi dans le paltalk. Je parle, je discute. On pose des questions, je réponds aux questions. Plus de questions, plus de questions. Salam alaikum, je pars. Qui lève la main, 5 minutes après. Elle est partie à Bouchaïma. Ah, ça, mais j'avais une question. J'avais une question. J'avais une question à Sahbi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me comprendre, une chouba. Il va le déposer là, son maman là. L'autre, elle est sortie, c'est le maman donc de. Combien de fois j'ai attrapé des gens comme ça? Non, j'avais deux noms. Je sors avec Abou Shaima, mais je suis avec un autre nom, je l'entends. Ou parfois même on appelle. Et lui, il est là. Oh, dommage. Je lève la main, je suis là encore. Non, c'était simplement pour savoir, tu sais. Bah non, c'est affiné, je peux le faire demain, après-demain. Il est parti. Ils attaquent là où on peut manger. Et alors, si nos enfants, ils n'ont pas à acquérir cette dogme de eux-mêmes, ils vont les attaquer. ففي الآونة الأخيرة انتشرت العديد من البرامج التلفزيونية. Les programmes de la télévision, de toutes sortes. Vous avez vu le مسلسل de Youssouf, le مسلسل de الرسالة, Khalid ibn Walid, Amtar ibn Shaddad, tout pour casser l'air. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي, l'internet aussi. تركز على هدم العقيدة الصحية. Sont tous là pour démolir le dogme juste, le dogme du prophète صلى الله عليه وسلم. وزعزعتها في عقول المسلمين pour faire un peu donc d'ambiguïté dans la religion musulmane. واستخدموا في ذلك كل العلوم المتعلقة بالتأثير على علوم النفسية والفلسفية. Ils emploient des millions et des millions d'argent sur ces programmes à la télévision et sur l'internet, de toutes sortes. Essayez donc de rentrer simplement avec ton fils de 15, de 16 sur l'internet. Et tu fais une recherche sur un dogme, sur ta religion. Tu t'en sors pas. Si tu n'as pas une capacité, tu t'en sors avec une tête gonflée. Un jour, il y a une sœur, il m'a envoyé un site. Il me dit, cher Abou Shaima, regarde ce site-là, j'aime bien, je regarde, mais je n'ai pas beaucoup le temps, je regarde la liste des programmes. Les livres de Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Uzaymi, Cheikh Menbaz, Al-Sunna. Tous les fatwas de Cheikh Al-Uzaymi, là, etc. Je lis. Bon, je vais faire cliquer la dernière pour lui dire c'est bon. Le site, il est mashallah. Tout d'un coup, la prière. Dis, tiens, je vais voir la prière pour voir si c'est la base. Ah, c'est un chiite, c'est un site chiite. Il a fait les livres de Cheikh Menbaz, de l'Uthaymin, mais plus okay. Bas poil du fait de l'adoration, c'est un chiite. Moi-même, j'étais presque coulé là-dedans. Alors imaginez-toi quelqu'un. Hein. Qui n'a pas de base. C'est pour ça que tu vois maintenant les jeunes, quand tu parles de l'islam, etc., il acquérit ça dans la télévision, il acquérit ça dans l'internet. ومؤثرات بصرية وسمعية وينتقون الأموال الطائلة علي وينفقون الأموال الطائلة علي ويبثونها ليلا ونهارا. Il propage ça jour et nuit dans les télévisions. Regarde maintenant qu'ils vont te sortir maintenant dans le Ramadan. Et simplement spécial pour le Ramadan. Et les programmes considérés programmes pour l'islam, pour le Ramadan. Et tout des bidah, tout des. Même de le kufr wal iyad billah. Et les parents regardent, les enfants regardent. Je ne parle pas donc les séries donc de la Turquie ou je ne sais pas. Non, non, non. Des programmes de la religion. Des dessins animés concernant la religion. تعطل النام للجهاز المناعة
التكوين الفكري والعقد يحتاج إلى اهتمام دائم بتقوية المعتقد ومحاربة الأفكار الفاسدة. Et ce travail-là, tu dois le faire tout le temps, non-stop. Non-stop, que ça soit pour tes enfants, que ça soit pour toi-même. Ça ne veut pas dire que maintenant tu as parlé avec ton fils, tu lui as appelé, il a compris la chose, il part. Non, tu dois toujours faire avec lui le muraja'a, les devoirs. Pourquoi? Parce que chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Si tu ne fais pas attention, tu le laisses, ça va, et après, mashallah, dans le dogme, etc., l'aqida du salaf, etc., et tu le laisses ne pas avoir un dialogue avec lui pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. À chaque fois, il faut le voir. Même à chaque fois que toi-même, tu dois faire attention de ce que tu es en train de lire, en train d'acquérir, parce que c'est avec des petits pas. Et la première chose à faire ici, et si on ne va pas donner les solutions, parce que ça en prendrait beaucoup de temps, وَمُحَارَبَةَ الْأَفْكَارِ الْفَاسِدَةِ وَإِلَّا سَيَسْتَسْلِمْ إِلَيْهَا الْعَقْلِ بِسُهُولَةٍ لِيَقُومْ بِتَغْيِيرِ الْمُعْتَقَدِ. Car chaque fois, tu auras des nouvelles. Chaque fois, ils essayent, pas simplement ceux-là qui sont contre l'islam, non, des musulmans. Qui sont égarés, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. Une qui est bon, tout le reste. Eh bien, tout le reste, ils vont, chacun dépose son poison. Et toi, tu ne fais même pas attention. L'autre fois, j'ai écouté celui-là, comment il s'appelle le mauritanien là? Doudou. Doudou. Quel poison. Je n'ai même pas fait attention jusqu'à entendre. Oh, il dit, Masha'Allah, j'ai écouté Doudou, Masha'Allah, il a parlé de l'aqida, Masha'Allah, l'aqida. Quand j'ai écouté là, il a fait un système, un mélange. Et de dire l'aqida, il est divisé en trois. Aqida en trois. Quelle aqida? Al-aqida al-ash'ariya, al-maturidiya, wal-hambaliya. Ahmed ibn Hanbal. Ahmed ibn Hanbal, il dit lui, Ahmed ibn Hanbal, c'est-à-dire salafia. Ahmed ibn Hanbal, Shafi'i n'est pas salafi, Imam Malik n'est pas salafi, Abu Hanifa n'est pas salafi, rien qu'Ahmed ibn Hanbal. Regarde qu'est-ce qu'il attaque. Comment de dire que le dogme, il est en trois? Asha'iri, Maturidi, et Hanbali. Hanbali, c'est un madhab, c'est pas un mu'taqad. Faire l'attaque sur le salaf. Et il te dit, le cassette, elle est là, vous pouvez le voir. Ben les gens, ils n'ont rien vu. Mu'taqad Ahmed ibn Hanbal, c'est quoi? Le mu'taqad d'Ahmed ibn Hanbal, de Shafi'i, c'est le même. C'est le mu'taqad, c'est le dogme, l'aqida d'Ahmed ibn Hanbal, c'est quoi l'aqida de Shafi'i? C'est quoi l'aqida d'Imam Malik? C'est autre chose, ils n'ont pas de l'aqida eux. Ça fait, t'as trouvé trois. Pourquoi? Parce que lui, il est ash'ari. Il va essayer de passer son dogme ash'ari. ولا يستسلم إليها العقل بسهولة ليقوم بتغيير المعتقد وقد أوصى القرآن الكريم قائلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر tout le temps rappeler, tout le temps étudier ce qu'on avait parlé, tout le temps. هذا بالنسبة لجانب التقوية المستمر لترسيخ المعتقدات والمفاهيم أما عن سهولة هدمها إذا لم يكن هناك حصن منيع فدائما ما يحذرنا الله عز وجل من اتباع الشيطان واتباع خطواته خاصة أننا لا نراه ولا نشاهده. الله عز وجل كيس كي نوزا دي كي نوزا مي اون غارد خطوات الشيطان il ne nous a pas dit الشيطان les pas. Le شيطان lui il n'arrive pas, il ne va pas venir directement de non, il va venir par des choses simples, petites, qui tu peux les accepter. Une fois qu'il arrive à te faire ce premier pas,
Il essaye le deuxième pas et le troisième pas. Et tu ne te rends pas compte jusqu'à ce que tu vois ton dogme, il est parti. Rien qu'avec une petite chose. Dès que tu acceptes une petite, tu dis que c'est rien, c'est pas grave. Hein? Ou il y a une divergence entre l'ulama, tu peux être sûr et certain que tu ne vas pas tenir le coup avec tout ce qui va venir par après. وخاصةً واتباع خطوات خاصة أنها لا نراه ولا نشاهده ولقد تعود الشيطان أن يضل الناس وخاصة الملتزمين منهم الشيطان quand il a parlé Allah عز وجل il va attaquer qui celui qui est sur le bon manhaj qu'est-ce qu'il dit il dit la aq'udan lahum siratak al mustaqim la aq'udan je vais me mettre où sur sirat al mustaqim pas sur les autres khalas c'est à dire tu es multazim prépare toi et pas shaitan iblis non les shayatin un souci ils travaillent ensemble d'ailleurs même parfois shaitan il est étonné donc de ce qu'il fait l'ins. Quand Iblis, il te dit, « La'aq'udanna lahum sirataka al-mustaqim. » Je veux me mettre juste le chemin qu'il mène vers toi. Il le dit. C'est-à-dire, si toi te dis, « Khalas, je suis sur Multazim. »« Ahl sunna ou jama'a ala fahmi salafi l'umma. » Prépare-toi. Tu vas voir sur ta route plein de gens qui vont essayer pour te dévier de ce chemin. Et le Iblis, il le dit lui-même. Et ce anticorps, parce qu'on n'a pas fait l'exercice, on doit faire l'exercice tout le temps sur ce point-là. C'est-à-dire de le mettre en pratique. Mon dogme, je dois le mettre en pratique. Je le mets en exécution, en discussion. فمثلا عندما تسأل من شاب مثلا هل القرآن كلام الله؟ Par exemple, tu poses la question à un jeune homme, est-ce que le Coran est la parole de Allah? Hein? وما دليلك على أنه لم يحرف? Est-ce que le Coran محرف? Oui ou non? Je te dis non. C'est quoi ton argument? On a pris à quoi? On a pris que le livre... Non, ce n'est pas ça. Quel argument, quel dalil que le Coran n'a pas été falsifié? Est-ce que le Coran il est falsifié? La première réponse est non. Maintenant, la deuxième question, c'est quoi ton dalil? C'est quoi ton dalil? Et il va te ramener beaucoup d'ahadith, beaucoup de paroles, dans le temps des prophètes, dans le temps des compagnons, comme quoi elle a été falsifiée. Il va te les ramener de Sahih al-Bukhari, de Sahih Muslim, pour te convaincre qu'elle a été falsifiée. Si toi tu ne discutes pas, dis maintenant, de comprendre, est-ce qu'elle a été falsifiée, oui ou non? Non. Le délit. Non, c'est simplement, on l'a hérité, il n'a pas été falsifié. Nous avons mis le Coran, on l'a hérité. Allah l'a protégé. Qui te dit que cette phrase, c'est quelqu'un qui l'a mis? Celui qui a falsifié, il t'a déposé cette phrase là-dedans. T'as compris? Te dis, dans le Coran, il y a cette phrase. Allah Azza wa Jalla, il dit, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et il est protégé. Dire, ben cette phrase-là, on l'a protégée. C'est celui qui a falsifié le Coran, il a déposé cette phrase-là. Quel délire. C'est là le problème. أسئلة متوقعة لكن ما هي الإجابة المفيدة والمقنعة. Beaucoup de questions, les jeunes posent ces questions. Mais où est-ce qu'il est la réponse exacte? À ces questions. C'est là le problème. Quand un jeune ou une personne pose la question, mais pas de réponse
convaincante. Une réponse dans la logique des choses. وغير هذا الكثير فما هي ردودك بالطبع هناك ردود قاطعة للشك لكن هل تربينا عليها عدم الاجتهاد في البحث الحقيقي لرد هذه الشبهات المطارحة حول الإسلام on fait pas d'effort pour commenter ces شبهات qu'on dépose contre l'islam On ferme comme ça, oh, je ne veux pas écouter. Oui, combien de fois je ne veux pas écouter, je ne veux pas écouter. De quoi tu ne veux pas écouter? Non. J'ai le mana, j'ai l'anticorps, je peux écouter. Je peux te répondre, je peux te dire où tu as l'erreur. Mais on ne le fait pas. Shubha, ça va, laisse la Shubha. Ça ne va pas, il faut la connaître, la savoir. Ça se propage partout maintenant. Les chouvins. Beaucoup de gens, on ne parle pas des gens, on parle même des gens âgés. وهذا السبب متعلق بما قبله فإذا كان لدي مشاكل في الاعتقاد وتعرضت للكثير من التساؤلات في الوقت الذي تعطل فيه جهاز المناعة هل أجتهد نفسي بالبحث العلمي؟ Alors, c'est moi, je n'ai pas acquis ce dogme de moi-même. Tous les jours, j'ai des choubois. Tous les jours, dans ma tête, j'ai des questions. Est-ce que je dois faire mon effort pour répondre à ces questions que j'ai dans la tête? Si je ne fais pas l'effort, je ne fais pas une recherche pour répondre à ces questions que j'ai dans la tête. Ces choubouhats, ces ambiguïtés que j'essaie dans la tête. Je ne peux pas les laisser là et de passer tout le temps, de remplir. للإجابة على هذه الشبهات وهذه التساؤلات أم أتركها تسبح في عقلي لتدمر ما تبقى. Parce que si je laisse ces شبهات dans la tête, je secoue la tête et je dis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, je pars. Car ce même أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Si tu ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, et il te le dit. Quel problème? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu viens de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Oui, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Comment tu veux que ça fonctionne? Et la preuve, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils disent parce qu'ils ne le disent même pas avec zé. Ils disent A'udhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ha na'latullahi alik. Na'la. Les sandales. Qu'est-ce que ça veut dire, Na'la, avec les sandales? Je ne sais même pas ce qu'il dit. Est-ce qu'on va laisser ces choubouhat dans la tête, dans mon cœur? Non, il ne faut pas les laisser. Allez chercher, allez poser la question au savant. Tu as dans la tête quelque chose? Tu as dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, il est toujours là? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, il est toujours là? Ouais. Il faut une opération. Il faut une opération. Une peinture. الانخراط في المجتمعات المنحرفة فكريا وسلوكيا. Et là encore un autre problème. Ils nous disent tous des musulmans, nous sommes tous des musulmans. Tous les groupes sont musulmans. Les frères, c'est des musulmans. Tahrir, c'est des musulmans. L'adl ou l'ihsan, des musulmans. Tous les rayons, des musulmans. Tous, nous sommes tous des musulmans. Là, la gravité. C'est là la gravité. Nous sommes des musulmans. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Les autres aussi. Le Qadariya, c'est des musulmans. L'Ahmadiyya, c'est des musulmans. Le Rawafi, c'est des musulmans. L'Ismaïlien, c'est des musulmans. Ils disent ashhadu an la ilaha illallah. Ils prient. Non, ce n'est pas ça. Le manhaj. C'est pour ça que les gens ils rentrent dans une mosquée, ce n'est même pas le manhaj de la mosquée. Ils vont dans une association et ce n'est même pas le manhaj de l'association. Pourquoi? Parce que pour lui, il n'y a qu'un islam, il prie. Non? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y aura beaucoup de groupes
et tous des groupes égarés, excepté une seule. Et pourtant, on laisse les enfants de fréquenter n'importe qui. Des amis n'importe qui. Fréquente n'importe qui. Chiite, pas chiite. Tbliri, pas tbliri. Ikhwani, pas tkhwani. Rabi'i ou la. N'importe qui. C'est des musulmans. الانخراط في المجتمعات المنحرفة فكريا وسلوكيا وهذه من أعظم البلايا. Celle-là, c'est la plus dangereuse. C'est de fréquenter des mosquées ou des associations qui ne sont pas sur le bon ménage. ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثواب العظيم الذي سيحصل عليه الصابرون والمستمسكون بدينهم في هذا الوقت. Le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم qui nous dit عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. حديث vous le connaissez très bien. Que le prophète صلى الله عليه وسلم il dit viendra un temps celui qui va pratiquer sa religion comme le prophète l'a dit, c'est comme il tient dans sa main une braise. Difficile à le mettre en exécution. Maintenant, mettre ta religion en pratique, difficile. Tout le monde va te regarder à travers. Tout le monde va te dire que tu es un égaré. Et pourtant, c'est eux qui égarent. Tu en as 72 égarés. Tu en as une. Automatiquement, les 72 vont te regarder à travers. Et que c'est toi qui t'es égaré. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le contraire. Une seule. Et les 72 sont des égarés. الاهتمام بالشكليات والمظاهر في العبادات وعدم الاهتمام الكافي بالجوهر. Ça aussi. On le voit aussi. Les gens font. T'as deux sortes ici. Ils font attention à l'apparence. Exemple. Tbliir, Youn. T'as vu le Tbliir? Un vrai compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qui désirise. Et pourtant, l'image, c'est celle-là. Arza, le turban, la barbe, même le creux dans les yeux, le kramis court, etc. Le fjer, c'est plein leur mosquée. Mais quand tu t'assois avec lui, tu vas voir plein d'hérésies. Il nage dans les hérésies, dans le bidat. Al-ihtimam bi-shakliyat wal-madahir fil-ibadat. L'autre groupe, c'est qui? Ne regarde pas l'apparence. Pas l'apparence. Michael Jackson. Ah, ça va pas comme tu es là. Ici, l'imam. Ici, l'imam. L'autre, l'imam, il est là. À l'intérieur, l'autre a rien. Où est-ce qu'il est l'imam? Il te dit, il est là. Il ne s'occupe pas de choses. Ben, il va te ramener le hadith. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa. وأموالكم إنما ينظروا إلى قلوبكم. الله عز وجل اللي دي الحديث الله il regarde pas à vos images, à votre argent, il regarde votre cœur. Il regarde votre cœur. Il y a là un hadith. C'est pour ça parfois moi j'arrive. Parfois je vois des images assez bizarres. وعدم الاهتمام الكافي بالجوهر. C'est-à-dire, il ne sait pas pourquoi il a mis le hijab. Il ne sait pas pourquoi il a laissé sa barbe. Il ne sait pas pourquoi il s'est habillé avec les vêtements shar'i. Il ne le sait pas. Il ne le sait pas pourquoi. Et pourtant, tout ça, ça doit venir d'ici, de cœur. Chaque pratique que tu dois le faire, tu dois l'acquérir pour toi-même. Tu dois le comprendre. Pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça. Pas parce que j'ai fait ça, parce que j'ai entendu que c'est haram ou c'est halal. T'entendais haram, halal, d'accord. Mais pourquoi haram? Pourquoi halal? Fais comprendre, dis-moi pour quelle raison. Kadalik soukot al-qudwa. Il y a donc des autres situations ici. ففي الفترة الأخيرة ومع الثورات العربية avec le printemps arabe entre parenthèses واستغلال العلماء الدين بشكل كبير في السياسة
نتج عن هذا سقوط كثير من القدوات. Le printemps arabe, il a fait tomber beaucoup de du'at. C'est une grande fitna. Nous autres, on regarde simplement le fitna, qu'est-ce qui se passe maintenant donc en Syrie, en Égypte, en Yémen. Mais ce n'est pas que ça. Il n'y a que les du'at qui étaient sur la scène, à la télévision, ils sont tombés. Et les gens qui avaient confiance en eux, fini, ils n'ont pas confiance. Les jeunes comme ça. Ils sont perdus carrément. Pourquoi? Parce que lui, quand il tombe, il fait ramener avec lui plusieurs gens. Et pourtant, ce printemps arabe, entre parenthèses, que j'appelle moi l'enfer arabe, pas le printemps arabe, qui est le printemps arabe. Printemps, tu vois, merde, je veux dire, là, c'est l'enfer, tu regardes, qu'est-ce qu'il y a? Et ça, ces gens-là, donc Rabi al-Arabi, il a fait beaucoup, beaucoup tomber, maintenant encore. Et pourtant, tu as encore des jeunes, ils sont accrochés à ces deux hâtes-là. Même si tu lui dis, fais attention. Car ce daïa, il s'est fait dans une épreuve. Ouais, mais tout le monde peut se tromper. Oui. Se tromper. Dans quoi? Se tromper, que tu as dit quelque chose, donc dans la prière, dans le salat, etc., et tout ça. Mais se tromper dans le dogme. Il t'a fait dévier du dogme, de l'aqida. Il se trompait où ça a collé du sang. Combien de gens qui sont morts en Syrie? Maintenant, ils sont en train de mourir. Qui a fait sortir ces Daïchois, ces assassins? Si ce n'est que cette, l'enfer arabe et ces du'at qu'ils avaient sur la télévision. Al-jihad, 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 quel jihad? Il est assis derrière la télévision, il fait le jihad. Où sont tes enfants, toi, Adam et le djihad? T'as envoyé des personnes pour se faire massacrer? الأذى الذي يلحق للملتزمين ظاهرا ومعنويا فمنذ زمن بعيد والإعلام دائما ما يصور للملتزمين على أنهم جهلة متخلفون. Les médias, qu'est-ce qu'ils font? Tu es pratiquant? Tu es multazim? Tu es un ignorant. Tu n'auras pas un poste ingénieur avec une barbe, avec un gelabe. Non, c'est pas possible ça. Ingénieur, ça doit être avec une cravate, avec un casa, ça c'est où ils t'avancent. Ils sont en train de mettre les grands spots. Si tu veux arriver à ce spot-là, conduire l'avion, etc., d'être, etc., dans le... Laisse l'islam. Laisse la pratique de côté. Le vendredi, tu vas à la mosquée chez toi, à la maison. C'est ça l'erreur. C'est pour ça que quand j'ai parlé donc de l'Harak, donc de celui de l'Husima, quand je lui ai dit, pourquoi vous êtes en train d'avancer 5 femmes, 2 Sava et 3 Moutabarijat? Pour dire aux autres femmes, aux autres jeunes filles, regarde ceux-là qui sont Moutabarijat, qui n'ont pas de foulard, qui sont habillés avec un pantalon serré, regarde comment ils sont éduqués, comment ils ont, etc. Si vous voulez arriver là, enlevez votre foulard. Ça se passe ici aussi, partout. T'arrives comme ça? Voilà, mon frère. Parce qu'il n'est pas encore loin. Il est encore loin, parce qu'il n'est pas moderne. Il n'est pas intégré. Non, c'est un... Je ne dis pas intégré, c'est parce que là, c'est... Mais il te regarde quand même. Peut-être que tu es un intégriste. Mais quand on regarde ceux-là qui se sont explosés, il n'y en a pas un avec une barbe. Pas avec un jilbab, ils sont tous des. Mais non, tu es un intégriste. Pourquoi? Parce qu'il attaque le dogme. Il veut te dire, ton islam, enlève-le. Laisse-le au vestiaire. Et marhaba, tu auras un poste. Mais tu laisses ton islam là-bas. فمنذ زمن بعيد والإعلام دائما ما يصور الملتزمين على أنهم جهلة ومتخلفون ومتشددون وغير ذلك. تي براتيكون تي متشدد تي دور صاحبي ها تي دور كوم سا يلفو سور لي جون ملتزم تي فا لا موسكي تو بري طول تون تي متشدد دي كو تي فا سور لو شومان تو كومونس ا براتيكي تا ريليجيون تي متشدد. La femme fait le foulard, mutashaddida. Mais quand un juif passe
avec ces trucs-là, avec ça, avec ça. Non, je ne peux pas monter cette tête. Il n'y a que les musulmans. Les pratiquants, c'est le montage des dents. Les autres, pas. ومتشددون وغير ذلك مما تسبب في ترسيخ هذه الفكرة لدى العامة جعلتهم يسيئون التعامل مع الملتزمين ويضطهدونهم. Et on voit les gens qui veulent pratiquer leur religion, ils ne veulent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il a appelé un arriéré. Il a réalisé ذلك. Alors on comprend bien que les causes qu'un jeune, que nos enfants qui sont pratiquants, qu'il prie, qu'il va à la mosquée, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas dévier. Il peut dévier, surtout ce qui est maintenant. Si on n'arrive pas à corriger, dès maintenant, l'éducation dans les centres, dans les mosquées, de discuter avec les gens, de les laisser les jeunes dire ce qu'ils ont. Il te dit, je ne suis pas d'accord avec cette loi, je ne suis pas d'accord avec ce verset, je ne suis pas d'accord avec ce hadith. Pas de problème, discute avec lui. Fais un dialogue avec. Il arrive, il te dit, mais ce verset-là, moi, je le trouve dur. Pas de problème, pas l'engueuler, pas le lui faire peur. Alors, tu dis ça, je vais te... Non, pas pourquoi, mon fils. Viens, on va discuter. Argument. Discute avec lui. Le convaincre, jusqu'à ce que ça devienne à lui. Ça lui appartient. Mais simplement, tout le temps, tu le prends, je te casse la tête, ça, ça ne va pas. Ça, il va être dévié. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم